Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Total War. Surtout pas, je les laisse monter leur garnison et tout, ces affaires. Prêt pour vos ordres. L'ordre au rapport. Une petite promotion qui va bien. Ouais, mais je peux pas, je suis désolé, je peux pas investir dans ton. C'est pas que je veux pas, je veux. D'autres priorités. Notamment ça. Athéna, s'il te plaît, merci. Athéna pour les bonus de recherche. À votre service. Hop, tu vas aller à l'eau. J'ai bien peur que nous ne puissions pas. Personne ne passe. T'as 3 tours. Je prends ta vue. Ça c'est cool. Bloc de merde. Et. J'ai bien peur que nous ne puissions pas. Allez. T'as osé attaquer une ville non défendue, je veux dire, c'est petite bite quand même. Micro-pénis. Ok, ça c'est bon. Arminium. Paf. Colonie assiégée. Tu vas bien niveau de public toi? Ouais, ça va. Ouais, tac tac, t'as eu, ça va. T'es bien, t'es tranquille. Hors de commerce. Tombe d'Athéna. Et le pute. J'ai plus de thunes. Combien de fois je vous ai dit j'ai plus de thunes? Que ce soit sur Mountain Blade ou Total War. Nous avons faim de bataille. Personne n'en réchappe. Su, ça fait partie de la Perse? Je m'occupe de cette région. Faut que je m'occupe de toutes les régions, mais. Ouais, non, faut juste que je m'occupe de toutes les régions, faut que la gueule. Alors attends. Est-ce qu'il n'y a pas un truc fort, tiens, force. Ah, voyez, c'était pas compliqué. Bah nous, on le savait, Krogan, hein, il y a toi qui galère avec ça. Hein. Hop, comme ça. Hein. La fidélité d'Athéna. Level up. C'est tout. Ouais, la grâce du griffon. Wow. Ah, c'est quand même pas compliqué, mon petit Krogan. Laissez les bâtons en retraite comme des chiens. C'est moi qui les assiège, c'est ça? J'avais un peu oublié. Pourquoi je suis en guerre avec la Cite Royale? J'étais allié avec eux. Ah, ils ont attaqué le royaume de Tilis. Ou les Cimériens, peut-être. Je crois qu'ils ont attaqué Tilis. Et Tilis, c'est mes vieux alliés. Donc. J'étais obligé de leur péter la gueule. Lui, il va attaquer une... Ouais, bam, je crois. C'est un modeste cadeau de l'or. Non, non, tu vas te faire foutre. Attends, ça fait combien de tours que tu m'emmerdes à me taper des villes comme ça, comme une petite morue avec toi? Fort, nous venons vous tenir. Non, non. Non, on va rester en guerre contre la Confédération Gauloise jusqu'à la fin. Sinon, on va se faire chier. Pas jusqu'à la fin. Ils vont pas tenir jusqu'à la fin, les pauvres. S'ils ont vraiment tous mes alliés militaires sur la gueule, mais d'avis qu'ils vont pas tenir longtemps. Par contre, la Cite Royale, là... J'aime pas trop ce que je viens de voir. Par contre, je sais pas du tout où ils étaient placés. J'ai vu qu'il y avait deux grosses armées. Enfin, une grosse, une moyenne. Bon. Où?
Ouais, vers Petrodava apparemment. Oh putain! Les Celtes qui se retrouvent ici avec une armée universelle. Vous êtes sérieux? Putain. Tu ne serais pas un tout petit peu trompé de région ou... Non? Les épées enflammées de Néton. Néton, c'est un magasin low cost, ça, non? C'est un beau jour pour tuer des Gaulois. Mmh. Il est où le point de victoire? Ici. Si je m'étale de trop, je vais galérer. Ça c'est quoi? Ils vont pas venir par là quand même. Bon, on se met ici. Général. Général. C'est moi ça, général. À votre commandement. Et on... Ouais, je vais le prendre dans le dos, cela. Spartiate. Prêt pour vos ordres. Cavalerie. Vitesse. Notre général se fait attaquer. Et on s'en fout, il est là pour ça aussi. C'est un général spartiate, hein. C'est pas un général romain qui reste derrière les troupes. Hein. Général. Général. Moi, c'est un général. Les lance projectiles là-bas. Allez, 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 vous. Putain, tirez, bande de con. Vous faites quoi, tirer, putain? Des jeunes spartiates dans le fion, normalement ça va vite se régler. Ici il se passe quoi? 28 sur 160, ça va aller aussi. À votre service. À votre service. Ils ont quand même 300 mecs en face, ça va pas prendre plus de 10 secondes. Non mais sans déconner. 300 contre 50, au bout d'un moment, ferme ta gueule. Et toi, faut unité de jeunes. Projectile en attente de cible. Piquet Périette. Engagement. Frondeur. Dis maintenant. Frondeur. Archer. Feu. En marche. Gardez la vitesse. Oh, vas-y, calme-les, ça va. Cryptes. Cryptes. Qu'est-ce qu'un cryptes? Avancez. Là, on a un général à tuer ici. Tirez sur l'ennemi!
Archer. Dites maintenant. Frondeur. Vous faites quoi? En avant. Gardez la vitesse. Il y en a pour combien de temps à tuer des frondeurs? Ils en ont tué un. Ici. Ça se mettait en formation du petit faucon. Formation phallus. Ah, l'ange, pardon. Ne confondez pas tout. Frondeur. Ma feu. Oh, 120, vas-y, sérieux. Non, mais il arrive pas à les tuer, change de cible, allez. Frondeur. Oui, feu. Il arrive pas. Lui, à mon avis, il va manger cher. Prito. On dirait une barre de gâteau. Il est Prito. Piquez, Périac. C'est une bonne idée, ça. Piquez, Spartiate. Avancez. Infanterie, lance, projectile, paré. Ils ont l'air de s'être resserrés un petit peu. Vas-y, s'il te plaît. Général ennemi est mort. Enfin, le général ennemi a beau être mort, j'arrive pas à tuer des frondeurs. Piqué, Spartiate. Je peux tuer des généraux, mais pas des frondeurs. Engagement. On peut pas tout faire. Maintenant, frondeur, tirez sur l'ennemi. Allez, vas-y, formation machin, elle a éclaté. Comment on fait? On peut pas. Toi, tu vas vraiment. Ah. Suis mon pas de course. Je vais te dire, je veux pas passer 3 heures de courir après. Archer. Petite pisée. Allez, c'est le GG. Prêt pour vos ordres. Petite pisée. Oui, deux. Les hommes sont hésitants. Sérieux? La bataille tourne en notre faveur. Victoire de justesse. Ouais, j'en ai tué 2 fois plus que moi alors que j'étais parti en désavantage, mais oui, justesse, allez. Si tu veux. Ça me dérange pas. Si ça peut te rassurer dans ton orgueil d'intelligence artificielle, y a pas de problème. Dis que c'est une victoire de justesse. C'est une victoire qui a été menée. On n'a jamais eu peur de perdre la bataille, en fait, tu vois. De bout en bout, on savait qu'on allait gagner malgré le désavantage de départ. Rassure-toi comme tu le peux, ça ne me dérange pas. C'est cadeau. Ah, les bas-quartiers. Fais chier. Bon, alors, bam. Hein, 98% de force et retente. Enfin, la tartine du cul. Je suis plus fort, ce chtonisme. À votre service. Conquérage. Ça marche. Nous sommes à l'assaut de la colonie. Mamissus. Laissez les bâtons en retraite comme des chiens. En espérant que ça s'en finisse avec la bactrie. Bon, ça me passe un tout petit peu les bonbons à me reprendre mes colonies une à une. De toute façon, il est sur le bord, on essaie de me taper mon côté. Là, il est là. Ok. Allez, bim. Bim. Allez, Taras, toi, merde. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Ça c'est fait, c'est sûr. C'est fait et bien fait. Ça c'est fait. Ça c'est pas fait. Est-ce que lui, il faudrait pas l'emmener là-bas? Bon, on va plutôt aller faire chier. Ah, quoique. Est-ce que je peux pas aller à Massilia en bateau? Ah non, ça va, regarde. Massilia est toujours à Massilia. Ah, il y a Gênes, regarde. Est-ce que je vais pas plutôt le prendre par le sol, Gênes?
Je sais pas quoi faire de ma flotte. T'as qu'à la voir, et pfff. C'est un honneur de servir. Blocus. Tu me rends ma vie, toi, merci. Laissez ma flotte ici. Prêt pour vos ordres. On va voir en allant selon les attaques s'il y a à défendre tout ça. Plutôt la garder là en défense. En patrouille. Ça c'est fait. Toi tu vas pas rester là hein, parce que tu vas servir à rien. On va la remonter tranquillement vers, vers la Gaule. À votre service. Toi tu te reposes, tu viens de faire une bataille. Nous prenons cette colonie. Évidemment ça va être des fessées sur fessées sur fessées. Lui j'ai l'impression qu'il a un énorme royaume mais pas énormément d'armée. J'ai l'impression. Prêt pour la bataille. On n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. À votre service. Bon bah toi du coup. Du coup. Ouais, alors ce que je préfère lui c'est l'utiliser pour aller ici. Et lui bah. Attends, c'est quoi cette frontière rouge là? Ah bah c'est Gênes. Et lui il est parti pour faire chier à Velatri. J'ai bien peur que nous ne puissions pas. On va essayer d'intercepter cette armée là, comme ça après la fidélité d'Athéna ira sur Gênes, tandis que les fils de Rhea iront sur Coria. Ça me plaît bien, on va faire comme ça. Tu vas où? Ah oui. Un jour il arrivera en bas de la map, hein, croyez-moi. Yaaaaaah! Ah, j'ai pas géré la site! Il y a trop de fronts différents, j'arrive pas sûr. La site royale. Ça. Avant sa base c'était Rod. Rod. Alors, colonie assiégée, maintenant. Ah. Oh lolo. Donc toi tu es assiégé. Ouais, ça me paraît pas très grave, si. Nous avons fin de bataille. Franchement, il n'y a pas de problème. Vos ordres. Préparation du siège de la colonie. C'est les battre en retraite comme des chiens. Toi vaut mieux. Toi tu devrais paniquer par contre. Et moi comme vous pouvez. Ouais. Okay, ça marche. Alors. Boum. Et boum. Non, deux temps que ça. Quelqu'un de très pieux, tout ça, mais ici il se passe pas des bonnes choses. Alors, stop. Déjà niveau thune, c'est fini, donc tu laisses tomber les aménagements de territoire, hein, on a déjà fini. Là. Go Toulouse, toi, direct. Toi, je te laisse là pour défendre. Wow, toi, tu reviens 3 semaines. Toi, t'attends qu'ils attaquent. Ah si, regarde, On rompe le siège par tous les moyens, par les mots ou par le sang. Ah, je n'ai pas le droit d'attendre. Volontaire et je pensais que j'avais de quoi manger, servir, que je pouvais... De bataille. Eh ben non. T'es trompé, mon gars. Alors ici.
Nous prenons cette colonie. De... Wow. Avez-vous d'autres ordres? Petro Dava, il me l'a repris, évidemment. C'est quoi ça? Royaume de Tilly, tu voudrais bien te bouger le cul un peu? Mais ça, c'était à moi aussi. Là. Lever des forces, rétablir l'héritage, les gardes de Brisou. C'est quoi ça? Ah, c'est une flotte. Donc, lever une armée. Par contre, je dois avoir un général un peu costaud, je crois, là-dessus. Bien, c'est un peu costaud, j'ai pas dit un truc complètement pété. Ah, n'inventez pas, me faites pas dire qu'est-ce que j'ai pas dit. Pour une belle et j'étais parti pour recruter là, attention. Là c'était j'étais chaud patate, mais raté. Le problème des trésoreries, monsieur. Combien de tours? Au moins 3, peut-être 4. Ensuite, ici c'est calmé, je pense. Là, ça va bien. Prêt pour la bataille. Il va falloir que tu trouves une guerre à faire quand même. À la limite, je peux. Ouais, je vais remonter vers la site, mais ça va me prendre 3 ans. La par-ci. Écoute, c'est parti. Donc, je veux pas le laisser là, glandouiller pendant 20 ans. C'est ma flotte. C'est mon commandant. Bon, bah, du coup, je vais casser le siège. Vous êtes obligé. Sinon, je vais perdre mes troupes et ça va pas le faire. On va voir un petit peu l'équilibre des forces là tout de suite. Combat! Ah. Ah, il y a du petit lancier. La ruine des hommes. Là, du coup, ça va vraiment être le marteau et l'enclume, vous allez voir. On va se faire un pont bien bien large. Mettre les. On va mettre les lanciers face aux lanciers et faire le. Contourner tout ça avec les cavaliers. Ça va être bio. Commandant, ouais, je suis comme beaucoup de lanciers quand même. Nous observent aujourd'hui. Nous avons une tradition. Infanterie, lance projectile à votre service. Cavalerie Tarantine. Alors, chargez. Pour l'instant, on se met en place. Charge pas. Excite pas. Lance parée. Toi, t'es un bon, quoi. Hop, blitz. À vos ordres. Infanterie, lance projectile à votre service. Tu vas prendre tellement cher. Projectile pareil. Frondeur. Notre général se fait attaquer. Smart. Tiens, se faire attaquer notre général, t'inquiète. Ils sont chargés. Lui, ce qu'il aime, c'est la guerre. Cavalerie Tarantine. T'inquiète, on va te choper ton cul. Projectile paré. Maintenant! Martial! Compris! Général! Spartiate! Nous attendons vos ordres! Frondeur! Ordre bien compris! Et... Prêt pour vos ordres. Ils ont fait... À vos ordres. Ah, en avant. Bam. Vous chargez. Engagement. Spartiate. Chargez. Infanterie de lancier. À vos ordres. Putain d'archer, pas moyen de tuer. Voilà, cadence de tir des fronts et tout, normalement ils devraient pas faire un pli ces enfoirés. C'est comme ça. En avant! Cavalerie Tarantine! Allez, c'est de la cavalerie là, arrêtez de déconner un peu.
bourrer un peu la tête. Cavalerie adverse là-bas, elle est à moitié morte. Regarde, ils sont ralliés, ces enfoirés. Cavalerie Tarantine. Toi. Cavalerie au galop. Oh, tiens, okay. Cavalier lance projectile. Engagement. Non, ils sont en train de me dire qu'avec leur frondeur celte, ils arrivent à me tuer mes cavaliers. Quoi. Spartiate. Je veux bien. Hein. Cavalerie Tarantine. Rapide et précise. Avancez, Sparte. C'est bon, on est bon. Là. Cavalerie Tarantine. Engagement. Engagement. Engagez-vous, qui disait engagez-vous. Vous verrez du pays. Ça commence à bien clignoter là. Ça clignote tube là. Fondeur sel, van. Hein? Recharger! On va laisser courir un petit peu pendant ce temps-là. Essayer de donner un coup de main Spartan. À eux là. Parce que... En avant! L'air de rien, ça a pas l'air d'être simple contre le séduire adverse. Hein. Des guerriers fidèles là. Cavalerie Tarantine. Commandant, à vos ordres. Cavalerie Tarantine. La bataille tourne en notre faveur. Chargez. Ordres, paré. En avant. Voilà, c'est tout ce qu'on peut de cavalerie dans le coup. À charger. Tu dois te sentir passer là. Bon, aussi, pour la gloire. C'est pour la bonne cause. Cavalerie Tarantine. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Prennent cher quand même. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Cavalerie lance projectile aux armes. Vous chargez. Général, chargez. Allez. Il a toujours 100 mecs, hein, putain. Vache. Et on continue. Je veux le tuer. Oui, commandant. Il faut qu'on leur fasse mal à ceux-là parce que. Oui, commandant. Avant, d'avant. Lancier paré. En avant. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Général ennemi est mort. Tu vois, c'était l'expérience là, il a un truc bleu, je crois. Argent ou bleu, je sais pas. Et c'est costaud, c'est costaud. J'ai bien fait de m'arrêter 5 minutes pour lui péter la gueule. Ok. Bon, eh ben, amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ça fera plaisir à ton croug et à tous les croguistanais. Des bisous, à demain. Ciao.